Vu quoi, c'est une des questions que je pose systématiquement en plus à mes étudiants en début de cours sur la critique de la croissance, à quoi ça peut bien nous servir. Du coup, vu que moi je me pose comme objecteur de croissance et décroissant, donc je pars du principe que la croissance n'a aucune raison d'être un objectif politique dans une société comme la nôtre, aussi riche que la nôtre, et qu'en plus on produit trop, on consomme trop, on travaille trop, etc. Donc pourquoi on est dans cette situation-là? Parce que, alors, les réponses qui sont généralement avancées, il faut augmenter le niveau de vie pour pouvoir réduire les inégalités, pour pouvoir lutter contre la pauvreté, et en dernière instance, pour pouvoir lutter contre le chômage. Donc généralement, c'est ça les principales raisons qui sont avancées pour rechercher la croissance. Il y a également rembourser la dette, souvent c'est un argument avancé, et puis après de plus longues discussions, il y a la question du progrès technique. Ce qui me semble un peu absurde, mais on aura l'occasion d'y revenir, puisque ça conduit à dire souvent, il faut absolument rechercher la croissance pour avoir un progrès technique qui nous permettra de répondre aux problèmes posés par la croissance elle-même. Ce qui est un peu incohérent. Mais donc c'est ça essentiellement qui conduit à chercher la croissance, ce qui me semble un peu absurde dans une société, encore une fois, aussi riche que la nôtre, qui donc cherche à lutter contre les inégalités en produisant plus, donc en augmentant la taille du gâteau, alors qu'on pourrait simplement s'efforcer de partager un peu mieux les richesses. Donc ça, c'était les motifs qui nous conduisent à rechercher la croissance. À mon sens, tous ces motifs sont injustifiés. Enfin, que ce soit donc la lutte contre la pauvreté, donc c'est pas en produisant plus qu'on pourra lutter contre la pauvreté, c'est plutôt en partageant, la lutte contre les inégalités de la même manière. La lutte contre le chômage ne me semble pas un objectif pertinent, puisque enfin, il faut se poser la question de la place de l'emploi, du travail dans notre société, plutôt que de chercher à lutter contre le chômage. On pourrait considérer le chômage comme une possibilité de maximiser le temps libre dans notre société. Donc, il y a différentes manières de répondre à ce problème. La croissance, à mon sens, n'est pas une bonne manière. La question de la dette doit être posée différemment. Est-ce que la dette est intégralement légitime? Est-ce que il est logique de continuer à s'enfermer dans un impératif de croissance du fait du remboursement d'une dette avec des intérêts, etc. Et puis, sur la question du progrès technique, on aura l'occasion d'y revenir. Le problème de tout ça, enfin, ce qui fait qu'on se pose la question de la croissance aujourd'hui, c'est les enjeux écologiques auxquels on est confronté. Donc, à la fois en amont, en termes de prélèvement sur les ressources naturelles, en termes d'émissions de CO2, etc., du fait de la consommation des ressources, et puis après, toute la question des déchets, parce que souvent on parle de l'impact sur la biodiversité, l'épuisement des ressources, etc., mais en bout de chaîne, il y a aussi énormément de déchets, alors qu'on a tendance à envoyer à l'autre bout de la planète, ce qui fait qu'on les voit un peu moins, mais à l'arrivée, le problème est bien réel. Et donc, du coup, on sent. Enfin, alors, j'espère que globalement, là, maintenant, la prise de conscience est faite. Nous sommes globalement convaincus que la croissance économique actuelle n'est pas soutenable écologiquement. À mon sens, j'espère. Qu'on ne peut pas l'alimenter dernièrement avec les ressources énergétiques qu'on a, avec enfin, la question du peak everything, hein, dont Philippe Biwix parlera sans doute. On sent qu'on ne peut pas alimenter une croissance infinie dans un monde fini, comme le disait Kenneth Boulding. Il y a des pistes qui sont avancées, malgré tout, pour essayer de maintenir une société de croissance, et donc c'est généralement ce qu'on range dans la catégorie croissance verte ou développement durable. Les deux termes me semblant, enfin les deux concepts me semblant assez proches, tels qu'ils sont défendus aujourd'hui. Avec comme perspective, alors il y en aurait plusieurs, on a l'écologie industrielle, par exemple, qui va être proposé. On a tout ce qui est dématérialisation de l'économie aussi, donc avec l'économie du numérique, l'économie des services, sachant que ces trois options ne me semblent là aussi pas satisfaisantes. Si on prend l'écologie industrielle, sur le papier, c'est génial. Donc c'est l'idée que les déchets des uns vont devenir les intrants des autres. Et on crée un écosystème industriel avec des entreprises qui se fournissent mutuellement sans jamais générer de déchets et sans jamais prélever de manière supplémentaire dans les ressources naturelles. Donc sur le papier, c'est génial, sauf qu'on n'arrive pas à le faire pour le moment. Donc ça dépend d'un bond technologique qui me semble assez, enfin, sur lequel il me semble assez hasardeux de parier. Donc ça, c'est pour l'écologie industrielle. Donc pour le moment, voilà, il y a toujours des prélèvements, il y a toujours des fuites. Sur la question de la dématérialisation,
Alors là aussi, c'est un gros, gros pari, la question du découplage. Donc comment faire pour que l'activité, l'augmentation de l'activité économique n'entraîne pas une augmentation de l'impact écologique et des prélèvements sur les ressources naturelles. Là, on s'aperçoit qu'on fait des gains en efficacité. On arrive effectivement à produire le même nombre d'unités en prélevant moins et en produisant moins de déchets. Mais puisque on est toujours dans une logique de croissance, à l'arrivée, on s'expose à ce qu'on appelle l'effet rebond. Donc les gains en efficacité sont annulés par des changements de comportement induits par les gains en efficacité. Donc une manière simple d'expliquer cet effet rebond qui a été mis en évidence par Stanley Jevons à la fin du 19e siècle, c'est alors par exemple les voitures. Je ne connais pas grand-chose en voiture, mais j'imagine qu'aujourd'hui, compte tenu des progrès qu'on a fait en matière technique, on serait capable de produire des 2 chevaux qui consomment 1 ou 2 litres au 100. Les 2 chevaux, la 2 chevaux, voiture super légère, a priori on peut la propulser sans trop d'efforts avec les moteurs actuels, ça ne consommerait pas énormément, sauf que les gains d'efficacité qu'on a obtenus sur les moteurs, on les a utilisés pour alourdir les voitures, pour augmenter l'équipement technique des voitures, la climatisation, on met des écrans dans les habitats, etc. Et à l'arrivée, on se retrouve avec des voitures qui consomment un peu moins qu'avant, mais si on tient compte de l'effet parc aussi, avec une augmentation du nombre de voitures, à l'arrivée, en termes de prélèvement sur les ressources entraînant d'émissions de CO2, finalement, l'impact environnemental n'est pas réduit. Donc ça, cet effet rebond, on le retrouve aussi dans le cadre des volontés de découplage. On s'aperçoit qu'on est plus efficace pour chaque unité produite, mais on produit plus d'unités. Au final, l'impact écologique augmente également. Même chose pour le numérique, même chose pour les services. Pour le numérique, on s'aperçoit que l'économie numérique est très matérielle. Derrière le numérique immatériel, il y a plein de ressources qui sont très très matérielles. Alors ça, donc Fabrice Crippot en parle très bien hein, sur les ressources nécessaires pour produire tous ces éléments électroniques, ces instruments électroniques. Ouais. Ça consomme énormément. Ça pose aussi d'autres problèmes sociaux dont on pourrait reparler. En termes d'utilisation, voilà, ça consomme énormément. Et après, en termes de déchets, c'est une vraie catastrophe. Donc du coup, l'économie numérique est très très matérielle. Même chose pour les services. L'INSA est aussi, j'imagine, un bon exemple. L'INSA, c'est une école de services. Et à l'arrivée, il y a beaucoup d'étudiants qui viennent et il faut les accueillir dans des salles, dans des bâtiments qui sont chauffés avec de l'informatique, etc. Il y a des enseignants qui viennent, il y a du personnel qui vient, etc. Bref. Le service suppose également une grosse base matérielle. Donc, ce n'est pas du tout une économie dématérialisée. On ne peut pas miser là-dessus pour avoir une croissance verte. Oui, donc à l'arrivée, ça revient toujours aux mêmes questions. Si on dit on peut avoir une production qui augmente et qui respecte de plus en plus l'environnement, eh ben, ça suppose un moment ou un autre le découplage. Et ça, globalement, on ne sait pas faire. Alors, on peut. Oui, enfin, tant que c'est de la recherche d'écologie, oui, ça pose aucun problème. Enfin, là, un des arguments pour défendre la croissance verte, c'est aussi, suivant la formule de Laurence Parisot, un peu de croissance pollue, beaucoup de croissance dépollue. Donc, finalement, la recherche de la croissance verte pourrait aussi être un moteur de profit, un facteur de profit pour les entreprises. Donc, un nouveau gisement d'emploi, de nouvelles perspectives de développement d'activités économiques, ça, c'est tout à fait envisageable. Après, la question qui se pose vraiment, Enfin, si on veut être à la hauteur des enjeux écologiques, c'est est-ce qu'on arrivera à trouver une solution? Et là, en fait, donc d'un point de vue décroissant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'il est raisonnable de faire le pari de la croissance verte? Donc, d'une part, moi, ça me semble déraisonnable pour 2 raisons. D'une part, ça me semble absurde de miser sur l'origine du problème pour solutionner le problème. Donc, c'est la blague de l'ambulance. C'est deux ambulanciers qui grillent un feu rouge, qui renversent un piéton, et qui freinent, qui s'arrêtent, qui descendent et qui disent bah, heureusement qu'on passait par là. Du coup, on mise toujours sur le problème pour apporter la solution, mais du coup, ça, enfin, du point de vue des décroissants, clairement, la croissance n'est pas le problème, n'est pas la solution, c'est le problème. Donc, de ce point de vue-là, la croissance verte ne me semble pas satisfaisante. Et puis après, l'autre problème, c'est le raisonnement de la croissance verte, c'est il faut accélérer la croissance pour envisager trouver une solution au problème posé par la croissance. Donc, faut se figurer une voiture qui avance tout droit vers un mur et le conducteur se dit bon bah si j'accélère ça passe.
ce qui me semble un peu hasardeux, un peu audacieux. Alors on peut imaginer que, enfin, en gros, le pari de la croissance verte, c'est on va réussir à, je sais pas, faire pousser des ailes à la voiture pour qu'elle passe au-dessus du mur. Ou... Mais je ne sais pas comment c'est possible. En tout cas, ça me, je sais pas, je dis pas que c'est impossible. Je dis, il faut pas parier là-dessus. Le premier réflexe qu'on doit avoir, ça doit être ralentir et voir comment on peut éviter la collision, mais certainement pas accélérer. Donc, le pari de la croissance verte, c'est on va produire toujours plus. Et en générant du profit, on va pouvoir financer l'innovation qui nous permettra de trouver les réponses aux problèmes posés. Personnellement, j'y crois pas. Et donc, du coup, ça permet de rejoindre la question de la critique du progrès. Parce que ce que critiquent les décroissants par rapport au progrès, en fait, c'est ce qu'on appelle l'idéologie du progrès. Dans l'idéologie du progrès, il y a plusieurs choses. Il y a, d'une part, le refus d'assimiler toute innovation au progrès. Ensuite, il y a l'idée qu'il n'y a pas de nécessité du progrès. Et enfin, il y a la critique de la foi dans le progrès. Donc, si je reprends les trois éléments dans l'ordre. Donc, d'abord, refus d'assimiler toute innovation au progrès. Donc, ça revient à dire le progrès, ça doit être un choix politique. Aujourd'hui, on a tendance à considérer que bah, tout ce qu'on sait faire, il faut le faire. À partir du moment où on sait faire un truc, il faut le faire et c'est le progrès. C'est la marche du progrès. Il y a un auteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Alain Gras, qui est anthropologue des techniques, qui a écrit un bouquin qui s'appelle Le choix du feu. Où il dit très bien que, enfin, il montre des tas d'exemples de civilisations qui ont fait ce qu'il appelle des grands refus. Donc des civilisations qui connaissaient telle ou telle innovation et qui ont dit, bah non, ça nous on n'en veut pas. On n'en veut pas parce qu'on estime que ça aurait un impact négatif sur notre organisation sociale, sur nos valeurs, etc., etc. Bah, en gros, ce que disent les décroissants là-dessus, c'est il faut être capable aussi de grands refus et donc il faut se poser la question de la pertinence de chaque innovation avant de considérer que c'est un progrès. Bon, on se pose collectivement la question, on délibère, on se dit bon bah est-ce que ça vaut le coup de le généraliser, de l'utiliser, etc., etc. En fait, c'est une remise en cause aussi de la question de la neutralité supposée de la technique. Donc c'est pas l'outil n'est pas neutre, il a aussi un impact. Enfin, il ne s'inscrit pas de manière neutre dans une société, il a un impact sur la société, sur ses valeurs, etc. Et donc ça, il faut le questionner. Donc ça, c'est le premier élément de la critique. Ensuite, deuxième élément, la question de la nécessité de la critique, de la nécessité du progrès. C'est la double nécessité. Il y a d'une part l'idée qu'il y aurait un chemin du progrès unique, linéaire, et tout le monde serait amené à suivre ce chemin. Et donc là, les décroissants disent bah non, il n'y a pas un seul chemin, il y a plein de chemins possibles. Et bon, bah, chaque société peut trouver un chemin différent en fonction de ses valeurs, etc., etc. Et puis après, il y a aussi la critique de la nécessité de bouger. C'est-à-dire que si une société se trouve bien là où elle est, bah, il n'y a pas de nécessité de forcément être toujours en train d'avancer, etc. Donc il y a cette critique-là aussi dans l'idéologie du progrès. Et puis le dernier élément, c'est la foi dans le progrès. C'est là-dessus que repose aussi la croissance verte. La foi dans le progrès, c'est donc le progrès nous sauvera. Systématiquement, bah jusqu'à présent, on a toujours trouvé des solutions techniques pour nous sortir des impasses. On va continuer. On va continuer. Sauf que, on a vu. Alors, il y a l'histoire controversée, mais l'histoire, par exemple, de l'île de Pâques. Je ne sais pas si vous avez déjà vu cette histoire de l'île de Pâques. L'histoire de l'île de Pâques, donc controversée, parce que bon, ça fait l'objet d'une controverse académique, on ne sait pas exactement comment ça s'est passé, mais à la limite, ce serait une fable, ça marcherait aussi bien. Donc les Pascouans avaient pris l'habitude d'ériger des grandes statues en pierre, les Moai, sur l'île de Pâques, qui permettaient à la fois de rivaliser entre tribus et puis de rendre hommage aux dieux. Bon, là où il y a débat, c'est il semble que, enfin certains auteurs disent, les Pascouans, pour déplacer leurs Moai, utilisaient des troncs d'arbres, les mettaient au sol et on faisait rouler les statues dessus. Et à force de construire des Moai, à force de les déplacer, etc., ils ont fini par raser presque tous les arbres. Et là, ils auraient décidé de construire des Moai encore plus grands, donc en hommage aux dieux, en se disant, bah, comme ça, les dieux vont nous récompenser et vont rendre à nouveau la terre fertile. Et donc, on voit ce raisonnement absurde où finalement, des Pascouans décident de couper tous les arbres en se disant, comme ça, on va pouvoir déplacer des plus gros statues et les dieux vont nous récompenser en faisant à nouveau repousser les arbres. Et ça n'a pas marché. Et finalement, l'île de Pâques est complètement déserte aujourd'hui. Et on peut se dire, assez logiquement, ils sont complètement cons, ces Pascouans, d'avoir coupé. Enfin, comment est-ce qu'ils ont pu imaginer un seul instant que couper tous les arbres, ça permettrait ensuite de refaire pousser les arbres? Et c'est exactement ce qu'on est en train de faire avec la croissance verte.
avec la croissance verte, on se dit, bon, bah, bien sûr, on pollue, bien sûr, on est en train d'épuiser la biodiversité, bien sûr, on est en train d'épuiser les ressources naturelles, etc. Mais on a une foi aussi déraisonnée que la foi des Pascouans dans le progrès qui nous sauvera. Donc on ne s'en remet pas à nos dieux, on s'en remet au progrès pour trouver finalement une solution à l'impasse dans laquelle on va tout droit. Donc du coup, ça c'est l'exemple des Pascouans. Les Narrois ont fait exactement la même chose. Donc là, par contre, on sait exactement comment ça s'est passé. Nauru, c'est une toute petite île au large de l'Australie. Et il se trouve que c'était une île très très fertile, verdoyante, etc. Mais en sous-sol, il y a du phosphate. Ils ont rasé l'île. Maintenant, l'île, c'est une mine à ciel ouvert. Et l'avantage, c'est que Nauru est tout petit. Donc très vite, on a vu tous les inconvénients de la société de croissance, à savoir prélèvement excessif sur les ressources naturelles. Constitution de décharge à ciel ouvert, parce que les Narouans ont été pendant quelques décennies les humains les plus riches du monde. Du coup, ils ont eu un train de vie énorme en pourrissant totalement les rives. Donc, on a vu très bien aussi, voilà, foi dans le progrès. Maintenant, ils se disent le phosphate, il faut absolument exploiter le phosphate, il faut encore exploiter le phosphate, toujours exploiter le phosphate pour pouvoir trouver une solution. Sauf que maintenant, ils ont une île où ils ne peuvent plus rien faire pousser et ils ont un taux de cholestérol qui crève le plafond, enfin ils vivent tous les travers de la société de croissance. Donc voilà où peut nous mener la foi dans le progrès. Et puis ce que dit également Alain Gras dans un autre bouquin qui s'appelle La fragilité de la puissance, c'est aujourd'hui, force est de constater qu'on a atteint un niveau de puissance qui n'était jamais vu. Donc on est capable, enfin, on a la possibilité d'envoyer des hommes dans l'espace, de voyager en avion, enfin, un niveau de puissance jamais vu, mais toute cette puissance repose sur une consommation énergétique énorme. Donc, conséquence du choix du feu comme principale source d'énergie, etc. La question qui pose, c'est qu'adviendra-t-il de cette puissance le jour où on n'aura plus le carburant pour faire fonctionner tout ça? Qu'adviendra-t-il de cette puissance? Ben, elle disparaîtra, purement et simplement. Et quel est le regard qu'on posera sur ces quelques siècles, finalement, une toute petite période dans l'histoire de l'humanité, ces quelques siècles pendant lesquels on aura eu une puissance extraordinaire. Quel regard on posera dessus? Est-ce qu'on se dira ça aura été la belle époque? Ou est-ce qu'on se dira on a été totalement fou et totalement aveuglé dans le progrès qui nous a fait, en gros, qui nous a conduit à ruiner la planète en quelques décennies? Donc c'est ça, en gros, la question de la critique de l'idéologie du progrès. La position d'Ivan Illich sur le progrès, c'est une critique de l'hétéronomie. Si j'essaye de rassembler mes connaissances sur Ivan Illich, en gros, il y a plusieurs concepts qui sont importants chez lui. Il y a le concept de convivialité, il y a le concept de monopole radical et le concept de seuil de contre-productivité. Donc la convivialité. Donc c'est pas le côté sympathique, jovial, etc. La convivialité, lui, dit un outil est convivial lorsqu'il permet de développer l'autonomie des personnes. L'outil est convivial s'il permet de développer l'autonomie des personnes, et il devient non convivial s'il développe au contraire leur hétéronomie. Donc s'il développe une dépendance à l'outil, enfin, s'il induit une dépendance à l'outil ou à un groupe d'experts qui seul maîtrise l'outil. Et donc l'exemple typique de l'objet de l'outil non convivial, c'est la voiture. Une voiture, oui, ou téléphone portable. Mais la voiture marche assez bien parce qu'en plus il a planché beaucoup dessus, Ivan Illich. Et donc ouais, aujourd'hui en plus, particulièrement, la voiture est un outil qui est incompréhensible pour la plupart des gens, enfin la plupart des automobilistes. On a une panne de moteur aujourd'hui, on ouvre le capot, on ne sait absolument pas comment ça fonctionne. On est complètement dépendant d'un groupe d'experts qui seul maîtrise l'outil. Enfin, généralement, c'est même pas dans les garages que ça se passe, parce que même un garagiste aujourd'hui ne sait pas réparer un moteur avec une électronique super poussée, etc. Il faut juste tout changer la plupart du temps. Donc, on est complètement dépendant d'un corps d'experts, et en plus, on est devenu complètement dépendant de l'usage de l'outil lui-même. Donc, si on n'a pas de voiture aujourd'hui, dans une société qui est entièrement tournée autour de la voiture, c'est compliqué, enfin, ça demande des ajustements, etc. Et donc là, c'est la question aussi du monopole radical. Donc il dit, l'outil non convivial se rend indispensable, et puisque il se rend indispensable, tout le monde est obligé d'avoir cet outil, donc en l'occurrence une voiture. Donc là, sur l'exemple de la voiture, c'est la voiture a tendance à transformer l'espace. Donc encore une fois,
remise en cause de la neutralité de l'outil. La voiture ne rentre pas de manière totalement neutre dans la société, elle va transformer l'espace, elle va allonger les distances, on va pouvoir avoir un étalement urbain, etc. À partir du moment où un étalement urbain, on a une dédensification des destinations possibles sur une zone géographique donnée, ce qui fait que bah, si on n'a pas de voiture, on perd en accessibilité. Sachant que le pari était de gagner en vitesse, en temps et en accessibilité. Et à l'arrivée, on ne gagne pas en vitesse, on ne gagne pas en temps, parce qu'on va deux fois plus loin si on va deux fois plus vite. Et on ne gagne pas en accessibilité parce qu'on a une dédensification des destinations souhaitables sur une zone géographique donnée. Et si on n'a pas de voiture, on perd tout ça. Donc on est obligé d'avoir une voiture. Mais puisqu'on a une voiture, on se retrouve de plus en plus nombreux à avoir une voiture, on se retrouve dans des embouteillages. Ce qui conduit à créer des itinéraires bis, etc., à créer une première couronne, deuxième couronne, etc. Et à l'arrivée, c'est un phénomène complètement contre-productif. Et donc c'est là qu'il amène le concept de seuil de contre-productivité. Donc il dit, passer un certain seuil, chercher à avoir toujours plus, ça finit par nuire à la satisfaction. Chercher à aller toujours plus vite, bah, finalement, ça fait perdre du temps. Chercher, enfin, plus. Alors il applique à la voiture, il applique à la médecine, il applique à l'école, il dit systématiquement, bah, trop de médecine nuit à la santé, trop d'école nous rend con, en substance. Et aller plus vite, ouais, tu tiques, je pourrais y revenir, et aller trop vite, finalement, ça nous fait perdre du temps. Et il avait fait ce calcul qui était rigolo. Sur la voiture, il avait calculé la vitesse moyenne d'un automobiliste américain. C'était dans les années 60 ou 70. Et simplement pour calculer la vitesse moyenne, il avait regardé combien de temps on passait derrière le volant, combien de temps on passait à bosser pour payer le carburant, pour payer l'assurance, pour payer la voiture elle-même. Et il avait comparé ça à la distance parcourue. Et il s'était rendu compte que les Américains faisaient du 6 km/h en moyenne. Ce qui n'est pas top, hein, ce qui équivaut à peu près à la vitesse d'un marcheur un peu énervé. Donc à l'arrivée, oui, c'est pas satisfaisant comme en termes de. Enfin, est-ce qu'on peut considérer de ce point de vue-là que la voiture est un progrès? Sachant que en plus, avec la voiture, donc vient les embouteillages, etc., vient toute une géopolitique de l'énergie aussi. La voiture, il faut forcément l'alimenter. Le parc automobile, il faut forcément l'alimenter. Tout ça, ça a un coût, et ça a un coût aussi en termes de conflits, etc., en termes de prélèvements accrus sur les ressources naturelles. Bref, si on tient compte de tous les inconvénients liés à la voiture, eh ben, il faudrait se poser sérieusement la question, est-ce qu'une société de l'automobile est une bonne société? Donc c'est une innovation, ça personne ne dit le contraire. Est-ce que c'est un progrès? Là, il devrait y avoir débat. Ivan Illich, il est vraiment chiant là-dessus, parce que donc sur l'école encore, ça peut passer. Sur la médecine, ça passe beaucoup moins bien. Mais sur l'école, ce qu'il dit, c'est l'école, c'est une manière d'apprendre. Mais il y a des tas d'autres manières d'apprendre. Et à partir du moment où l'école, enfin la société se scolarise, donc on développe l'école dans la société, mais en fait, on appauvrit aussi la société parce qu'on fait reculer, on délégitime les autres modes d'apprentissage. Et donc finalement, bah, on a une forme d'apprentissage qui est très stéréotypée et qui ne convient pas forcément à tout le monde, par ailleurs, etc. Donc en gros, enfin, lui, ce qu'il dit, c'est remettons l'école à sa place. Il y a un de ses livres qui a été traduit en français par Une société sans école, mais à l'arrivée, ce n'est pas ce qu'il dit. Le titre en anglais, c'est Deschooling Society. Donc c'est plutôt faire reculer la place de l'école dans la société plutôt que de supprimer les écoles. Mais voilà, tenir compte de toutes les formes d'apprentissage, y compris hors de l'école. Et sur la médecine, il est encore plus dur à suivre, parce que donc il dit trop de médecine, donc une médicalisation de la société, une surmédicalisation de la société, finalement, nuit à la santé. Et pour prendre un exemple actuel, enfin plus récent, si on l'applique à la canicule de 2003, si je me souviens bien, en gros, on s'aperçoit que donc la canicule a été vécue en France, donc qui a entraîné la mort de plusieurs personnes âgées. Enfin, de nombreuses personnes âgées, on s'aperçoit que la canicule a été vécue comme un échec du système de santé français. Enfin, d'ailleurs, le ministre de la Santé a été viré, enfin, dû démissionner à l'issue de la canicule. On s'est dit, ben voilà, enfin, les services hospitaliers n'ont pas suivi, etc. Ivan Illich aurait dit, mais c'est la société entière qui n'a pas suivi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin d'être médecin pour s'occuper des vieux en période de canicule. Il y a juste à passer les voir, alors à vérifier qu'ils s'hydratent correctement, etc. Et dans une société qui est surmédicalisée, eh ben, il n'y a que les médecins qui sont légitimes pour faire ça. Et les autres bah, se disent bah non, c'est pas notre rôle, c'est aux médecins. Donc c'est en cela qu'il dit que trop de médecine finit par nuire à la santé. Notamment, enfin, c'est pas son seul argument, mais c'est un de ses arguments.
coup, si on ne doit pas miser sur la technique pour répondre à tous ces... Ah bah oui, bah, voilà, et on parle, on papote, on papote. Donc si on ne doit pas miser sur la technique pour répondre à tous ces, enfin, aux enjeux écologiques, à mon sens, il faut miser sur de l'innovation sociale. Donc se poser différemment les questions. Donc clairement, ça suppose une remise en cause radicale de l'impératif de croissance. Donc enfin, ouais, je chausse clairement ma casquette de décroissant en disant il ne faut pas du tout continuer à chercher la croissance, il faut arrêter et aller volontairement vers une politique de réduction du PIB. Ce qui me semble plutôt souhaitable. Mais à mon sens, du coup, la meilleure manière d'y arriver, c'est de remettre en cause, encore une fois, les objectifs qu'on avait fixés à la croissance. Donc du coup, parmi les objectifs que j'avais listés tout à l'heure, donc, il y avait l'augmentation du niveau de vie afin de lutter contre la pauvreté et de lutter contre les inégalités, pour en dernière instance, et aussi alors, lutter contre le chômage. Moi, je pars du principe que donc, la société de croissance, donc société de consommation, de surconsommation, de surproduction, société productiviste, et aussi une société laborieuse. Et mon point de vue, c'est qu'il y a beaucoup de gens dans la société qui préféreraient faire tout à fait autre chose que ce qu'ils font à longueur de journée dans le cadre de leur emploi. Une manière d'entrer dans une logique de décroissance, c'est de donner la possibilité de réduire son temps d'emploi, voire de se passer d'emploi. Donc en gros, de sortir de la spirale, je travaille trop, donc je produis trop, et je suis contraint finalement de consommer trop, parce qu'il faut bien purger le système à un moment ou à un autre, il faut bien, enfin si on a surproduit, il faut forcément surconsommer, sinon on est dans une crise de surproduction, simplement. Donc si on donne la possibilité aux gens de sortir de ce schéma-là, donc ce que Juliette Scor appelle la boucle, comment elle appelle ça? De retrouver en anglais. Ah, bah, j'ai oublié, rien ne va plus. Boulot. Ah, bon, ça ne me revient pas. Du coup, donc, si on donne la possibilité de sortir de cette logique de surproduction, de surconsommation, donc en s'affranchissant du devoir d'emploi, du devoir de bosser trop qui pèse sur chacun de nous, à mon sens, on peut plus facilement. Et plus volontiers surtout, relever le défi environnemental. Donc en gros, mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, moi je pars plutôt d'une critique sociale de la croissance plus que d'une critique écolo. Pas parce que la critique écolo n'est pas valable, j'en suis convaincu, la critique écolo est très pertinente, sauf que politiquement, elle ne me semble pas porteuse. La critique écolo s'expose inévitablement aux objections de la croissance verte, etc. etc. On peut toujours dire, si le problème c'est l'environnement, on va trouver une solution, il faut avoir foi dans l'homme, dans le progrès, etc. On va trouver une solution du côté de la croissance verte. Si on part sur la critique sociale de la croissance, sur les limites sociales de la croissance, là on ne s'expose plus à cette objection de la croissance verte. Et donc les limites sociales de la croissance, ça consiste à dire, quand bien même il y aurait 3, 4, 5 planètes qu'on pourrait continuer à surexploiter, à pourrir, etc., etc. Ça ne vaudrait pas le coup de le faire. Ça ne vaudrait pas le coup de le faire. Non seulement pour des questions écologiques, si on défend une écologie, alors je dirais une écologie profonde, dans la logique d'Arnonès, avec la reconnaissance d'une valeur intrinsèque à la nature, donc indépendamment du regard que l'homme peut poser dessus, etc. Donc on peut dire aussi, la planète a tout à fait le droit, en fait, de rester, si ce n'est inviolée, du moins... on doit respecter la nature simplement parce qu'il faut respecter la nature et pas simplement parce que la nature est utile pour nous à terme, etc. Donc on peut défendre comme ça, quand bien même ce serait possible, il ne faudrait pas le faire. Mais moi ce que je dis, c'est quand bien même ce serait possible, ce ne serait pas bon pour nous non plus. C'est-à-dire que ça nous conduirait toujours à bosser plus, pour consommer plus, mais à quoi bon ? À quelle fin ? Surtout que, alors, c'est ce que dit très bien Fred Hirsch, un auteur autrichien qui a écrit un bouquin qui s'appelle « Les limites sociales de la croissance ». Ce que dit Fred Hirsch, c'est finalement, l'un des moteurs de la croissance, c'est la compétition positionnelle. Donc la lutte de chacun contre tous pour le standing. Et il nous montre que, en fait, cette lutte de chacun contre tous pour le standing, c'est au mieux un jeu à somme nulle et vraisemblablement un jeu à somme négative. Donc il prend un exemple qui est très très... Une illustration qui est très très claire, la salle de concert ou le stade de foot. Il dit dans une salle de concert, on peut se retrouver derrière quelqu'un qui est plus grand que nous, auquel cas on ne voit plus la scène.
Et donc, dans ces cas-là, on se met sur la pointe des pieds et on voit la scène. Sauf qu'en se mettant sur la pointe des pieds, on bouche la vue de celui qui est juste derrière nous, qui se met sur la pointe des pieds, etc., etc. Et à la fin du processus, tout le monde se retrouve sur la pointe des pieds et personne ne voit mieux qu'au début. Donc ça, au mieux, c'est un jeu à somme nulle, sauf que sans doute qu'à la fin du concert, tout le monde aura des crampes, donc jeu à somme négative. Donc en fait, on s'épuise tous en espérant dépasser les autres. Peut-être qu'à titre individuel, ça peut être une stratégie gagnante. On peut réussir à grimper sur les épaules des autres et effectivement, on a une meilleure vue. N'empêche qu'au final, au global, le jeu est à somme négative. On s'est tous épuisés pour que finalement, au global, bah, il n'y ait personne, enfin, l'ensemble ne voit pas mieux qu'au début. Donc ça suffit déjà à dire, arrêtons de rechercher la croissance économique. Donc plutôt que de rechercher la croissance économique, organisons autrement la société. Donc si on file la métaphore de la salle de concert, une solution, c'est mettre les petits devant, les grands derrière. Donc innovation sociale plutôt que systématiquement innovation technique, progrès, recherche de croissance, etc. Les solutions, à mon sens, sont plutôt à chercher de ce côté-là. Donc plutôt changer l'organisation sociale. Donc si on essaye de s'affranchir de l'impératif de produire plus pour être contraint de consommer plus, etc., moi, je pense que le revenu inconditionnel, une réflexion sur le revenu inconditionnel peut être un bon point de départ. Donc commencer à se dire, bah, on doit permettre à chacun de vivre décemment, quel que soit son rapport à l'emploi. Donc verser un revenu sans condition et sans contrepartie à tout le monde. Ça me semble une réponse intéressante, notamment par les questions qu'elle soulève. Donc systématiquement, quand on parle de propositions comme ça, une des premières objections qui vient, c'est mais si on met en place un revenu inconditionnel, tout le monde va arrêter de bosser. Enfin, qui voudra encore continuer à bosser si on a un revenu inconditionnel qui permet de vivre sans avoir de boulot? Et si on se pose cette question, c'est la preuve que la société de croissance n'est pas une bonne société. Parce que si dès que les gens ont la possibilité de plus bosser, ils décident de plus bosser, bah ça veut dire qu'il faut arrêter de rechercher la croissance pour mettre tout le monde au boulot. Vu que c'est un des objectifs précisément de la société de croissance, que de lutter contre le chômage, de créer du boulot, etc., etc., de faire marcher ce qu'on appelle la turbine à turbin, bah arrêtons ça. Et au contraire, plutôt que rechercher la croissance, il faudrait chercher la décroissance avec une suppression, enfin une destruction d'emplois, une grande politique de destruction d'emplois. Donc en fait, avoir ce raisonnement. Avoir ce raisonnement à partir du revenu inconditionnel permet de fonder une politique de décroissance, donc sans s'appuyer sur des arguments écolos, mais tout en finalement répondant aux enjeux écologiques auxquels nous sommes confrontés aujourd'hui. C'est vrai, enfin, c'est vrai que les arguments de la croissance verte sont faux. C'est vrai qu'une croissance infinie n'est pas possible dans un monde fini, ça, on est complètement d'accord. Après, du coup, ma question, c'est. Maintenant qu'on le sait tous, ou à peu près tous, déjà ça peut être rassurant de se dire ah ben non c'est bon, il y a la croissance verte, et si vous n'y croyez pas, c'est qu'en fait vous ne croyez pas au progrès, et vous croyez pas en l'homme. Donc on a toujours cette échappatoire qui est proposée. Et puis on s'aperçoit que politiquement, aujourd'hui ça marche pas, ça suffit pas. Ça suffit pas. Rio, le développement durable, c'était en 92. Depuis, tous les élèves qui sont passés à l'école ont entendu parler de développement durable, etc. Et à l'arrivée, l'écologie reste assez largement absente des programmes politiques et globalement des préoccupations des gens. Enfin, en tout cas, peut-être pas des préoccupations, mais des comportements des gens. Donc, cette entrée-là, politiquement, me semble pas fonctionner. Même si elle est complètement fondée, etc., mais elle ne me semble pas fonctionner. À mon sens, enfin, avec les limites sociales de la croissance, ça permet de mettre le doigt notamment sur tout le mal-être au travail. En fait, et qui, à mon sens, se développe et qui touche toutes les classes sociales. Enfin, quand on voit David Graeber parler des bullshit jobs, à l'arrivée dans les bullshit jobs, je sais pas si vous avez vu l'histoire des bullshit jobs, en gros il dit qu'il y a des tas de gens qui font des boulots, donc des boulots de merde, qui soit font un boulot qui n'a pas de sens, enfin dont ils ne perçoivent pas le sens, soit font un boulot donc il y a un boulot à plein temps mais qui nécessiterait un mi-temps, par exemple. Donc la question c'est bah, qu'est-ce qu'on fait le mi-temps restant? On se fait chier. Et puis, soit font un boulot qui n'existe que parce que tout le monde bosse trop. Et donc, tout le monde, enfin, personne n'a le temps de faire certaines choses, donc on est obligé de passer par des solutions marchandes et on demande à d'autres de le faire à notre place. Et donc, en fait, ces bullshit jobs, clairement, ce sont des boulots de cadre. Enfin, c'est des cols blancs, essentiellement, qui sont visés. Mais à l'autre bout de la chaîne aussi,
Il y a des cols bleus, il y a enfin, le nouveau prolétariat qui vit aussi des boulots de merde. Donc en fait, ce mal-être au travail concerne tout le monde. Donc c'est plus trop une histoire de classe sociale. Donc à mon sens, enfin, ça peut être une bonne entrée aujourd'hui politiquement de dire, mais en fait, si vous avez un problème au travail, le problème vient pas de vous, le problème vient de la société. Après, ouais, les deux sont liés. Les multinationales n'ont aucun intérêt de le faire si ça leur permet pas d'augmenter leur profit. Et en l'occurrence, on s'aperçoit que les consommateurs sont pas suffisamment en demande de produits écolos pour qu'il y ait un marché suffisant pour les multinationales. Enfin, je sais pas, il n'y a qu'à regarder l'exemple du Fairphone. Alors même s'il y a beaucoup de critiques à adresser par ailleurs au Fairphone, mais le Fairphone n'a pas conquis un nombre de consommateurs suffisant pour que d'autres producteurs de téléphones portables se disent bah oui, c'est là qu'il faut aller. Donc il y a un marché suffisamment grand pour les téléphones portables qui polluent, qui surexploitent la planète et les hommes, pour qu'on puisse continuer encore longtemps à les produire de cette manière. Donc c'est assez logique. Et il se trouve qu'en plus, il y a des États qui ont tout intérêt, d'un point de vue économique, à dire bah, venez chez nous pour produire les téléphones portables, vous pouvez exploiter la main-d'œuvre, et puis vous pouvez exploiter les mines sans trop vous soucier des conditions, enfin des enjeux environnementaux. Donc qui se lancent dans des logiques de dumping écologique, dans des logiques de croissance. Parce que donc, ça permet d'avoir des investissements étrangers, ça permet de générer de l'emploi, etc., etc. Donc il n'y a aucune raison, enfin, la plupart des États ont aucun intérêt à mettre en place ce type des normes environnementales contraignantes qui pourraient réguler l'action des multinationales. Et les multinationales seules n'ont aucun intérêt à le faire, tant que les consommateurs ne sont pas suffisamment, enfin, ce ne sont pas des écologistes conséquents. Ouais, du coup, donc des solutions concrètes, des pistes pour essayer de répondre à ces problèmes écolo. Enfin, du coup, pour répondre différemment aux enjeux, enfin, aux objectifs visés par la croissance. Donc, je disais au départ, on a un souci, alors, de fait, de pauvreté, d'inégalité, de chômage. On peut tenter d'y répondre en produisant plus, en faisant grossir la taille du gâteau. On peut aussi tenter d'y répondre en essayant de partager différemment le gâteau et de poser la question de la place de l'emploi dans notre société. Donc, sur poser la question de l'emploi dans notre société, j'ai parlé du revenu inconditionnel qui peut être une solution. On peut aussi imaginer la reconnaissance d'un droit inconditionnel au temps partiel choisi. Donc, une autre mesure pour laquelle je milite. Droit inconditionnel au temps partiel choisi, accompagné d'une prime au temps partiel pour que ce temps partiel soit accessible à tous. Donc, on donne la possibilité à chacun de bosser juste ce dont il a besoin pour gagner juste ce dont il a besoin et arrêter de bosser plus pour gagner plus et consommer plus. Ensuite, alors attendez, je suis perdu. TPC. Toc. Ouais, sur le côté partage. On a plusieurs choses qui existent dans le champ de l'économie sociale et solidaire qui participent de cette logique de partage. On a les systèmes d'échanges locaux, notamment, qui permettent de s'affranchir d'une logique marchande. Alors, il y a plusieurs étapes, hein, dans les SEL, enfin, plusieurs degrés d'émancipation par rapport au marché. Dans les systèmes d'échanges locaux qui remettent en cause le plus la démarche marchande, donc ceux notamment qui brûlent les feuilles de compte en fin d'année en se disant, mais, à la limite, peu importe, le système d'échange local permet de rendre visibles des échanges, mais on ne va pas prendre la peine de compter systématiquement, on va en fait créer un système d'entraide locale. Ben, ces systèmes d'entraide locale permettent de remettre en cause la logique de surproduction en répondant à des besoins qui sont effectivement existants et en permettant de prendre ses distances vis-à-vis donc de la sphère marchande et notamment de l'emploi. Donc ça peut être une piste. Avec une vraie logique de partage, donc déconnectée du revenu dont on dispose, ce genre de choses. Et puis, autre piste possible aussi, alors dans les pistes les plus ambitieuses, les coopératives intégrales, ce qu'on appelle les coopératives intégrales, qui visent à se poser collectivement, au niveau local, toutes les questions économiques de base.
Donc, de quoi est-ce qu'on a besoin? Donc, qu'est-ce qu'il faut produire? Qui va produire? Dans quelles conditions on va produire? À destination de qui on va produire? Ça permet de poser en dernière instance la question qu'on ne se pose jamais dans une société de croissance, à savoir la question du suffisant. Le principe d'une société de croissance, c'est il faut toujours plus. Et plus, c'est mieux, etc. Dans une société qui remet en cause cette logique de croissance, il faut être capable de se dire quand est-ce qu'on a assez? Et de quoi est-ce qu'on a vraiment besoin? Donc les coopératives intégrales permettent de se poser ces questions-là. Donc collectivement, on se dit de quoi est-ce qu'on a besoin? Comment on va le produire? Comment, à destination de qui on produit? Ce genre de choses. Donc ça existe. Ça existe notamment en Catalogne. Donc, enfin, pour le moment, la vitrine des coopératives intégrales, c'est la Catalogne, la coopérative intégrale de Catalogne. Alors même s'il y a plein de défauts, etc. Mais ça me semble être un modèle assez porteur, si alors en plus dans une optique de résilience, assez porteur pour essayer de changer de voie. Donc pour le moment, c'est clairement embryonnaire, mais on n'est pas à l'abri que ça marche. En fait, ouais, du coup, il y a plusieurs manières de critiquer la croissance. Tu as la critique comptable, la critique écolo et la critique radicale qui repose soit sur la critique de l'idéologie du progrès, soit sur les limites sociales à la croissance. Et du coup, la critique comptable, là aussi, logiquement, elle est globalement admise. C'est dire le PIB n'est pas un bon indicateur de richesse parce que le PIB ne tient compte que des richesses marchandes ou monétaires. Et donc il y a des tas de choses qui ne rentrent pas dans le monétaire, enfin le temps libre par exemple. Enfin, pour moi, le temps libre a beaucoup de valeur, mais enfin le temps libéré de la production et de la consommation a beaucoup de valeur, mais il intervient à aucun moment dans le PIB. Ce qui fait qu'on peut avoir une société qui perd beaucoup de temps libre et qui malgré tout va être considérée comme toujours plus riche, alors qu'on aura perdu des tas de choses dedans. Et puis en plus, le PIB rend mal compte de la richesse. Monétaire et marchande, parce qu'il y a des tas de choses qui vont être comptabilisées dans cette richesse monétaire et marchande qui ne sont pas forcément bénéfiques pour la société. Enfin, le commerce des armes, par exemple, pour des exemples consensuels, on va dire. Donc, du coup, de ce point de vue-là, le PIB n'est pas un bon indicateur. C'est pas parce que le PIB augmente, parce qu'on a de la croissance, que la société s'en portera nécessairement mieux. Après, se pose aussi la question des dépenses défensives, lorsqu'il y a des dégradations, tous les efforts qu'on met, qui traduisent par des dépenses monétaires, vont être comptabilisés dans le PIB, donc faire croître le PIB, alors que finalement l'objectif c'est simplement de réparer. Donc on n'a pas une amélioration de la situation, on a simplement un maintien d'un statu quo, et malgré tout on considère que c'est bénéfique pour la société. Donc de ce point de vue-là, enfin, logiquement cette critique du PIB est globalement admise et connue. Donc ça conduit juste, le souci de cette critique c'est que ça conduit juste à chercher à développer d'autres indicateurs de richesse. Sachant que bon, il y a des indicateurs de richesse, il y en a alternatifs, il y en a plein. Mais bizarrement, on ne les reprend jamais parce qu'on reste toujours focalisé sur le PIB et sa croissance. Donc dans l'économie, on tient compte des ressources. On tient compte des ressources. Après, il y a deux manières de tenir compte des ressources. Une première manière consiste à dire, aujourd'hui, la nature n'est pas valorisée dans l'économie et il faut la valoriser, il faut lui donner un prix pour que les comportements des acteurs soient modifiés et que du coup, on se mette à respecter l'environnement. Donc ça passe par les marchés carbone, par exemple. Enfin, une des expressions, c'est les marchés carbone, les banques de compensation, les banques de préservation. On a la possibilité d'acheter des actifs naturels en mettant un prix donc, sur ces actifs naturels pour pouvoir les préserver. Donc limiter la surexploitation, etc. Donc ça, c'est une solution qui a un gros travers, c'est que, enfin, de mon point de vue, c'est que sur le principe, ça conduit donc à valoriser la nature, à lui mettre un prix, qui est aussi le prix de sa destruction. Donc ce qui est problématique, donc, alors notamment dans le cadre du marché carbone, souvent on parle de marché des droits de polluer, ou marché des droits à détruire. Donc à partir du moment où on a la possibilité de s'offrir ce droit, eh ben on peut effectivement polluer et détruire. Alors qu'auparavant, on aurait pu se dire, ben en fait, ça ne se fait pas de polluer. Et donc, il ne faut pas polluer tout simplement parce que ben, ça ne se fait pas. Donc, à partir du moment où on met un prix là-dessus, ben, l'obligation morale qu'on peut avoir de ne pas polluer ben, disparaît. Donc, ça, c'est une manière de tenir compte des ressources dans l'économie.
Et puis, une autre manière, c'est de dire, bon, bah, il y a une possibilité de substitution entre ressources naturelles et progrès technique. Donc, c'est ce qu'on appelle la soutenabilité faible, par opposition à la soutenabilité forte, dans le cadre du développement durable. La soutenabilité faible dit, il y a des ressources naturelles, on peut les épuiser, le progrès technique permettra de compenser l'épuisement des ressources naturelles. Donc, toujours le même principe. Enfin, ce qu'on trouve aussi dans le cadre de la géo-ingénierie, si vous avez l'occasion de voir des chercheurs qui planchent sur la géo-ingénierie, je crois qu'il y a Christophe Bonneuil notamment qui planche là-dessus, où on voit que, bon, au pire, la couche d'ozone disparaît, c'est pas grave, on va trouver une solution technique pour la remplacer. Ou les abeilles disparaissent, c'est pas grave, on va trouver une solution technique pour polliniser. Donc, il y a une possibilité de substitution. Donc, les ressources naturelles sont prises en compte. La disparition des ressources naturelles est prise en compte également, mais c'est pas grave, la foi dans le progrès fait que dans tous les cas, on trouvera toujours une manière de substituer le progrès technique, telle ou telle innovation, à la disparition des ressources naturelles. Enfin, pour pallier à la disparition des ressources naturelles.